Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle map de type SkyBlock. Vu que j'ai abandonné The Chunk Loader, comme vous avez pu le comprendre si vous avez vu ma vidéo de mardi, c'est que je donnais le détail du pourquoi du comment. Donc j'ai eu envie de repartir sur, euh, sur un SkyBlock un peu plus classique, mais en 1.13 avec certaines des fonctions 1.13 particulières. Donc il s'agit d'un. Skyblock, SkyBlock Reload créé par Crisic, vous voyez son nom euh, juste, euh, juste ici, qui existe euh, en version euh, soit une version hardcore, soit une version normale. Donc là j'ai pris la version normale. Donc on peut commencer déjà par, euh, par paramétrer la map. Donc je vais activer. Non, je vais désactiver le Keep Inventory. Si je meurs, je ne garde pas mon inventaire, par contre je vais activer. Un emergency sapling donc je peux obtenir un sapling une seule fois mais si, si je perds si je perds le premier par exemple j'ai pas besoin de redémarrer et en difficulté je vais mettre difficile en difficile les zombies peuvent casser les portes donc ça ça pourrait être un des éléments à prendre en compte et donc comme vous pouvez le voir aussi j'ai mis les shaders ça fait longtemps que j'ai plus fait de skyblock, ça va être un peu l'occasion de, de réviser tout ça. Et c'est parti, alors directement, qu'est-ce que j'ai J'ai un livre qui me permet de retourner sur la réciproque. Je vous montrerai un peu après ce que c'est. Donc Là, ça montre le game mode, mais bon, pas... ça ne m'intéresse pas. Alors, on commence tout de suite. On voit la salle là-bas. Alors je vais essayer de récupérer un sapling. J'aimerais bien en récupérer un, ça m'arrangerait. Si je peux ne pas utiliser tout de suite mon emergency sapling. Ah voilà. Au moins un. Alors, avant de continuer, je vais déjà faire l'essentiel le, pour ce genre de map, c'est-à-dire déjà Crafting Table et des dalles. Donc, les dalles c'est le, euh, le meilleur ami du Skyblock. C'est ce qui prend le moins de ressources pour fabriquer un plancher. En plus, on peut mettre les dalles en étant en position basse pour euh, empêcher le spawn des mobs. Donc, ça évite de devoir éclairer à outrance la zone. Alors encore un. Donc parmi les particularités de, de ce Skyblock, euh, donc en 1.13, il y a des recettes personnalisées qui permettent d'obtenir. Euh, donc comme vous avez vu, en fait, contrairement à ce qui se fait souvent dans les Skyblocks, c'est qu'on commence avec un saut de lave. Là, j'ai pas, euh, j'ai, pas de ressources de base. Donc, en fait, je vais pouvoir transformer certaines ressources. Par exemple, un bloc de terre en quelque chose d'autre, ou un sapling en bonne mille. Donc, voilà, il y a, il y a plein de recettes intégrées. Et j'ai une salle dans, je, dans laquelle je peux aller qui permet de, de prendre connaissance des différentes, euh, différentes recettes. Et pour l'instant, je commence. Faire mon plancher voilà, de cette manière là. Si euh, un sapling tombe des feuilles, il devrait y il a des chances de tomber sur le plancher, tout simplement. Et maintenant, on va essayer de récupérer de la terre. <laughs> C'est toujours euh, les premières étapes qui sont les, les plus délicates sur un skyblock. Après, une fois qu'on qu a commencé, bien sûr, il y a toujours du risque, mais. Normalement ça on, on peut rebondir on va dire si on si on merde quelque part alors qu'au tout début si on fait si on oublie de faire certaines choses on peut se retrouver avec rien du tout alors j'ai deux saplings je vais directement aller jeter un coup d'œil dans la salle dans la salle des recettes donc voilà j'ai ici mon emergency sapling je peux utiliser une seule fois Ici, je peux revenir au départ. Et on va prendre pour la dirt. Si je clique ici, ça m'a m'indique la recette est de cette manière-là. Et je peux voir qu'il me faut un stick, un sapling et une planche. Avec ces trois éléments, je peux obtenir de la terre. Donc, euh, transformer la dirt. Donc, on peut transformer la dirt ou la cobblestone en gravier, en sable et en clay. Donc, il me faudra de la dirt en plus pour la clay. La bonne mille, ça, je vous ai montré juste avant. C'est avec un sapling un water bucket c'est que des saplings donc il m'en vaudra plus un bucket normal c'est de la clay et pour la suite on verra quand j'en aurai besoin là j'ai déjà de quoi de quoi faire aïe <laughs> j'avais pas prévu ça donc je vais tout de suite remettre un arbre à pousser. Et étendre un tout petit peu ma plateforme. Donc là pour l'instant vu la taille de la plateforme, j'ai pas, pas besoin de construire de, de barrières, d'éclairage, ce genre de choses, mais ça pourrait arriver par la suite. Alors j'ai débloqué un succès donc euh, on peut voir aussi qu'il y a des succès personnalisés donc, de la bonne mille prochaine étape ce sera transformer de la terre en cobblestone mais pour l'instant j'ai besoin de terre ensuite fabriquer un seau. et ici une hache euh, ouais une dans une pickaxe en bois et voilà alors Il faudra aussi que je me préoccupe de la nourriture assez rapidement. Pour l'instant c'est le début, je n'ai pas encore de, de manque, mais ça peut très vite arriver. Alors je vais en garder deux pour l'instant. J'essaie de toujours en garder un peu pour, pour les cas d'urgence. Alors pour l'instant j'ai agrandi dans cette direction-là. On va agrandir dans celle-ci. Oups. Alors, si je fais ça, est-ce que je récupère les deux Normalement, oui. Voilà. en Donc, là, pour l'instant, mon but, c'est vraiment d'avoir une première plateforme qui me permet de, de survivre. Et ensuite, après, je vais faire des plateformes thématiques. Avec une plateforme qui sera dédiée plutôt aux cultures, une... j'aurai une ferme à mobs qui est prévue bien sûr. J'aurai un lieu pour fabriquer peut-être de la cobblestone. Alors c'est bon, j'ai déjà récupéré mon premier sapling, enfin il m'en faut deux, enfin non j'ai encore de la bonne mille mais... Pour l'instant, il me faudrait que je me fasse euh, un peu plus de, de sapling. Il faudrait que j'aie une petite production. Je vais directement commencer une nouvelle couche de plancher pendant ce temps-là. Enfin, je ne vais pas laisser trop longtemps là, les, les saplings. Alors, normalement, sur cette plateforme-là, pour l'instant, les mobs pourraient spawn. Euh, ici, mais bon bien sûr là c'est pas encore la nuit et en plus je suis trop près ils peuvent pas spawn dans un rayon de mémoire de 16 blocs mais par la suite il faudra que je couvre ce, ça ou que je fabrique de l'éclairage Alors je vais directement replanter un sapling. J'aimerais pouvoir commencer pour le, les champs avec euh, une production de 9 ou de 4 arbres déjà. On va commencer. Ça va être mon premier objectif. Et je récupère une pomme en même temps. Ça c'est très bien. Je vais m'enlever de la plateforme. Ça, ça par contre ça me plaît moins. Euh, j'ai pas fait le, la bonne mille, apparemment pas. Voilà. Dommage, j'ai gâché deux, deux saplings. Si je regarde juste ce que j'avais avant dans les recettes, donc recette pour la dirt, il me faut stick, sapling et planche. Donc ça veut dire que si je veux faire. Euh, 4, 4 zones, il me faut 4 sticks, 4 saplings et 4 planches. Donc là j'ai les 4 saplings, mais bien sûr je ne vais pas les utiliser directement pour, pour ça, parce qu'autrement après je serai bloqué. Et si j'arrivais à en avoir une petite dizaine, ce serait bien. Il faut aussi que je regarde après la recette pour les torches parce que si je mets les, si je fais une plantation, il faut que j'ai des torches à côté pour être sûr que, que les modes ne spawnent pas. Et donc je pense qu'il faudrait pas que j'aille pendant la nuit aussi dans la zone des, des recettes. Parce qu'à mon avis, si je m'éloigne trop, ben je pourrais avoir du spawn dans cette zone. Et j'ai pas envie. Alors ça je garde. Il me fallait quatre planches. Je les garde ici. Euh, je vais peut-être aussi directement faire les, les sticks j'ai dit quatre planches. Voilà et le reste. Je sais plus où est-ce que j'en étais pour mon agrandissement par contre. Donc si ça c'est le milieu, j'ai 1 2 3 4 dans cette direction, 1 2 3 4 ici, 1 2 3 4 ici et 1 2 3. Donc c'est par ici qu'il faut agrandir. ça me paraît plutôt pas mal. Je vais peut-être me permettre de perdre un peu de ressources mais pour euh, pour faire ça, voilà. Maintenant on va essayer de les récupérer. Bon, voilà, c'est tombé mais c'est pas grave. Et comme ça en fait, je peux faire une barrière. Pour entourer cette première zone, cette première plateforme, on va dire ça va être ma plateforme de de vie de base. Alors cela je les termine et je vais utiliser de la bonne mille. Ah, j'ai eu peur que ça marche pas, mais c'est bon. Donc, je suis déjà à 14 minutes d'épisode à peu près, un peu moins, avec l'introduction. Après, normalement, vu que c'est toujours les durées, les, les durées Minecraft standard, et que je ne vais pas utiliser de lit en tout cas pour l'instant, parce que j'ai bien assez de choses à faire. Je pense que je vais faire un épisode par, euh, par journée euh, de jeu. Et là, cet arbre n'est pas très riche en sapling apparemment ah quand même j'en ai vu un qui passait deux alors comme avant on en garde deux ici on transforme le reste et je fais mes petits mes petites planches Voilà donc cette plateforme là je peux même enlever ça pour l'instant et celui-là et ça de cette manière pour le moment j'ai pas besoin d'éclairage dans tous les cas et je vais pouvoir commencer à préparer la plateforme suivante. J'aurais dû y penser avant de mettre cette planche ici, je vais essayer de la récupérer. Voilà. J'aime bien compartimenter comme ça. Ça permet aussi si de coup j'ai une invasion de monstres. Euh, bon là ils peuvent toujours sauter au-dessus mais par la suite je pourrais rajouter, euh, rajouter une protection en plus sur les côtés des, des ouvertures. Et comme ça je pourrais euh, ne pas me retrouver submergé si de coup j'ai plein de monstres qui débarquent. Donc ça fait une sorte de sas on va dire. Ça va être comme ça la faut que je réfléchisse je vais mettre rien ici euh, ici peut-être euh, un bloc de terre ici donc rien ici rien ici rien ici un bloc de terre ici et de nouveau rien ici et là ce sera le bord Peut-être que je vais même encore prolonger un peu plus, mais. Alors je vais juste re reposer ça et faire mes 4 blocs de terre. Comme ça, je garde celui-là en, en plus. Alors c'est ça, ça et ça, sauf erreur. Et ça me donne de la terre. Voilà, 5 blocs de terre, 6. Six sapling normalement j'ai de quoi faire les, les choses correctement bon du coup je vais remettre je vais remettre ça j'avais enlevé avant mais euh, le temps que le jour euh, que le jour passe qu'est-ce que j'ajoute comme avancement on va transformer de la dirt en cobblestone je le ferai après Euh, J'aimerais faire de la bonne mille. Comme ça, je fais pousser celui-là un peu plus vite aussi. Parfait. Alors, des planches. Voilà. Parfait. laisser deux espaces ici ou un seul euh... non normalement je peux en laisser un seul ça devrait pas gêner donc j'ai 1 2 3 4 5 6 6 d'espace 6 seulement ça me paraît ça me paraît bizarre pour l'instant je vais partir du principe que c'est ça je vais prolonger ma plateforme. Il faudra aussi que je pense à me faire un coffre très bientôt, parce que là pour l'instant j'ai tout sur moi. C'est-à-dire qu'en cas de en cas de chute dans le vide, je perds tout ce que j'ai, y compris le livre qui permet de se téléporter. Que je vais pouvoir obtenir autrement, je pense, mais. Ça me paraît un peu dangereux comme, comme fonctionnement. directement me faire un coffre euh, le premier comme ça au moins je suis, je m'assure j'assure un peu le coup même si ça retarde un peu euh, on va le mettre on va le mettre là comme ça je peux mettre le livre les saplings la bonne mille les pommes et la terre les choses qui sont pour l'instant essentielles pour moi Donc, j'aurai un bloc de terre ici. Ah non, j'ai dit trois d'espace entre eux, donc un ici. Et je verrai après en les plaçant. Après, je vais directement prévoir une plateforme 9 euh, neuf, euh, neuf arbres. Comme ça j'aurais déjà la, la place qui, qui sera prévue, ce serait peut-être sera peut un peu mieux, ça nous rendait à peine plus de, de ressources. Mais Par contre là il n'y a pas de sapling, non? Ça j'aime pas du tout. Ah en voilà un. C'est mieux que rien. Et le jour devrait bientôt se lever normalement. Bon, C'était vraiment un arbre pas très coopératif. Allez, comme avant, le dernier. La dernière bonne mille c'est sur celle-là que je reçois. Enfin que ça fait pousser l'arbre. Je pense vu que j'ai bien démarré on va dire la map, je vais pouvoir changer tout ça en bois, j'ai plus besoin d'avoir une bûche pour l'instant en réserve. Ça je vais les mettre de côté comme ça je vais fabriquer de la terre en plus. Alors, il me fallait 4 sticks, par exemple, 4 comme ça. Voilà, enfin, j'ai de quoi fabriquer de la terre euh, en rab. Quand je vais garder Sapling pour l'instant que je vais faire, je vais peut-être prendre la terre déjà que j'ai et la positionner à l'endroit qui serve, qui sera plus tard destiné à l'avoir. on va dire que je laisse un d'espace. Non. Ça me paraît peu un hein, d'espace. Je vais laisser deux d'espace, on va dire. Donc un ici. Un, deux, trois, un ici.

12, 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans cette direction-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans celle-là. Voilà, comme ça j'ai la, la taille de ma plateforme qui est définie il me restera juste à remplir les trous j'aurais pu ne pas mettre la barrière en fait je suis en train de me dire j'ai gâché quand même là deux deux planches pour rien vu que j'ai un point d'accroche là bas j'aurais pu continuer de cette manière là c'est pas grave et là je crois j'en ai bien de trop bon ça fera une ressource de gâchis en plus. <laughs> ah non, ça a l'air bon. Alors, des saplings. Et le jour s'est levé, donc je vais mettre un terme à cette première vidéo. J'espère que qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur Twitter. Vous pouvez également me laisser un commentaire dans la, dans la vidéo. Dans la description de la vidéo, je vais avoir... Euh, je vais mettre les, euh, les infos si vous voulez jouer à cette map, donc un lien, un lien direct. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye